Bien-aimés auditeurs, le thème ce matin, je vous ai déjà parlé de ce thème. Mais ça nous a plu ce matin de le ramener. Passer par la porte étroite. Rentrer dans la porte étroite. Amen. 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 Le fait de rentrer dans la porte étroite. Nous devons savoir que rentrer dans une porte étroite est très important. Pourquoi est-ce que nous devons rentrer par la porte étroite? Qu'est-ce qui signifie la porte? La porte étroite. Que signifie la porte étroite? Nous allons lire Matthieu le chapitre 7. Matthieu le chapitre 7, verset 13. Matthieu 7, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu déverse la grâce sur vous. Matthieu, le chapitre 7, le verset 13. Amen. Amen. Passez par la porte étroite. Car spacieux et large est le chemin qui mène à la perdition. Et plusieurs sont ceux qui sont sur cette route. Parce que la porte est étroite et le chemin est serré qui mène à la vie. Et peu sont ceux qui le trouvent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, ce sont les paroles, l'une des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Et ce que nous devons tenir ferme dans nos mains. Parce que Dieu, il est le Tout-Puissant. La Bible nous dit que de passer par la porte étroite. Pourquoi passer par la porte étroite? La fin de cette porte étroite, c'est la vie éternelle. La fin de cette porte étroite, là où conduit la porte étroite, c'est la vie éternelle. C'est la vie qu'on mène en Dieu. Ce chemin est serré. La porte est étroite. Et la porte n'est pas large. Deux personnes ne pourront pas passer par là. C'est une seule personne, mais cette personne aussi devait faire doucement. Et Jésus-Christ nous dit d'entrer par cette porte. Mais on nous dit aussi que le chemin est serré. Avant de pouvoir rester sur ce chemin et arriver aussi, ce sont des problèmes. Le chemin qui mène à la porte étroite, ce chemin est serré. Il n'y a pas de la liberté sur ce chemin. Il n'y a que des problèmes sur ce chemin. Il n'y a que des souffrances sur ce chemin. Il y a des persécutions sur ce chemin. Des fois, il y a la famine sur ce chemin. La maladie aussi peut se trouver sur ce chemin. Plusieurs choses se trouvent sur ce chemin. Ce que nous ne aimons pas, ces choses se trouvent sur le chemin. Sur le chemin serré, beaucoup de choses qui ne sont pas la volonté de nous. Beaucoup de choses qui ne font pas avancer une personne. Parce que si tu es sur ce chemin, des fois la vie sera amère pour toi. Des fois ce sont des pleurs. Des fois ce sont des grincements de dents. La Bible nous dit que si nous sommes sur ce chemin, la fin de ce chemin, ce qui mène à la porte étroite. Et si tu arrives à rentrer dans la porte étroite, alors tu rentreras dans la vie éternelle. Tu rentreras dans le
le salut éternel. Voici que je vois le noir. Mais là où il y a de la peur, Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ nous dit que peu sont ceux qui trouvent ce chemin. Peu sont ceux qui trouvent ce chemin. Donc cela nous démontre que c'est pas tous ceux qui vont dans la maison de la Dieu. C'est pas nous tous qui sommes sur ce chemin serré. Ou bien c'est pas nous tous qui allons rentrer par la porte étroite. Mais Jésus-Christ est en train de nous dire de rentrer par la porte étroite. Son désir est que nous soyons sur le chemin de la porte étroite. Que nous soyons sur le chemin serré. Parce que si nous sommes sur ce chemin, c'est en ce moment que nous pouvons avoir la certitude que nous sommes aimés qui nous coûtent ce matin. Tu m'écoutes ce matin. Es-tu sur ce chemin? Je ne sais pas quel travail tu fais. Je ne sais pas la personne que tu es. Que tu sois riche. Peut-être un pauvre. Une autorité. Quel est le travail que tu fais? Je ne sais pas le travail que tu fais. Mais la question est que est-ce que tu es sur ce chemin? Et si tu mourrais maintenant, est-ce que tu pourras voir le Seigneur Jésus-Christ? Si tu meurs, est-ce que tu pourras voir Dieu? Après ta mort, est-ce que tu pourras voir le Seigneur Jésus-Christ? Plusieurs ne veulent pas rester sur le chemin resserré. Plusieurs ne veulent pas rester sur le chemin qui est resserré. C'est pour cela que plusieurs se sont fabriqués des adorations pour eux. Selon leur compréhension et leur intelligence, ils ne veulent pas rester sous la conduite de la parole de Dieu. Ils ne veulent pas restaurer leur vie par la parole de Dieu. Ils ne veulent même pas se soumettre sous quelqu'un. Ils ne veulent pas se soumettre sous la parole du Dieu vivant. Ils se plaisent tellement. Et si tu observes nos églises de nos jours, tu vas te poser la question, est-ce que tous avions compris l'adoration de Dieu? Bien-aimé qui m'écoute ce matin, je viens vers toi par la voix du Seigneur. Sur quel chemin te trouves-tu? On dit peu sont ceux qui arrivent à trouver ce chemin resserré. Peu sont ceux qui retrouvent ce chemin resserré. Mais on dit que l'autre chemin, la porte est spacieuse et le chemin aussi est large qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui sont sur ce chemin. Écoute ce que le Seigneur dit. Il y a deux chemins. Un chemin est large. Et tu es libre sur ce chemin. Ce qui te plaît, tu peux le faire sur ce chemin. Le mode de vie qui te plaît, tu peux l'amener sur ce chemin. On dit que le chemin est large. Et la porte aussi est large. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit que ce chemin est large. Et cette porte spacieuse. Et leur fin, c'est la perdition éternelle. Leur fin, c'est la perdition éternelle. Et plusieurs sont ceux qui passent par ce chemin. Jésus-Christ ne parle pas aux païens ici. Il parle à ses disciples. Il parle à ceux qui le suivent. Il parle à ceux qui se sont regroupés pour écouter la parole de Dieu venant de lui. Jésus-Christ nous parle, nous les églises. Il parle aux églises. Il nous parle, pape, et nous, les uns de Dieu. Il parle à ceux qui vont à l'église et ceux qui ne vont pas à l'église et ceux qui vont à l'église et ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu.
Par quelle porte entres-tu? Sur quel chemin nous sommes? Il faudrait que tout le monde entier comprenne. Avant que quelqu'un ne rentre sur le chemin, et que cette personne aille entrer par la porte étroite, et que cette personne puisse rentrer dans le royaume de Dieu, il faudrait que cette personne reçoive Jésus-Christ. C'est pas Jésus-Christ dans une église. Jésus-Christ de Nazareth qui se trouve dans la parole de Dieu. Le Dieu vivant qui s'est fait chair. Qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a dit dans Jean le chapitre 4. Jean 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, moi, Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne pourra aller vers le Père si ce n'est pas moi, le Seigneur Jésus-Christ. Si tu passes par Mahomet, tu n'iras pas. Si tu passes par une secte pernicieuse, tu n'iras pas. Si tu passes par Branham, tu n'iras pas. Si tu passes par moi-même, tu n'iras pas. Si tu passes par une église, tu n'iras pas. Si tu passes par un bishop, tu n'iras pas. Si tu passes par un apôtre, tu n'iras pas. Si tu passes par un monseigneur, tu n'iras pas. Si tu cardinal, pape, tu peux passer par cardinal, pape et autres, tu n'iras pas. La seule personne en qui tu dois et tu peux être, la seule personne par qui tu peux passer, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur des Seigneurs, celui qui est mort pour nous, il a été à la croix, on l'a tué, on l'a enterré. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. De là, Jésus-Christ va y adorer. Le tombeau du Seigneur Jésus-Christ est vide. De là, Jésus-Christ va y adorer. Le tombeau du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de os dedans. Il n'y a pas de cendre d'homme dedans. Il n'y a pas du reste d'un homme dedans. C'est vrai qu'il était mort. On l'a enterré. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Tous ceux qui sont les autres personnes que vous suivez, ils sont morts. Et leurs tombeaux sont là. Ils sont morts. Le tombeau existe. Et il y a leur reste dans ce tombeau. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, celui qui a vaincu le monde, celui qui nous a dit dans sa parole que dans ce monde, vous trouverez des persécutions, mais soyez joyeux, ayez confiance et croyez en moi, parce que moi, Jésus-Christ, j'ai vaincu ce monde. Alléluia. J'ai vaincu le monde. Moi, le Seigneur Jésus-Christ, j'ai vaincu ce monde. J'ai vaincu Satan. J'ai vaincu les démons. J'ai vaincu aussi le péché. J'ai vaincu le péché. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu toutes choses. La personne qui a vaincu toutes choses, c'est cette personne que nous devons recevoir en nous. C'est lui que nous devons adorer. C'est à lui que nous devons nous prosterner. C'est à lui que nous devons donner des adorations. C'est à lui que revient la gloire. Le bien-aimé qui me coûte. Sur quel chemin te trouves-tu? Alléluia. Acte le chapitre 4. Verset 12 nous a dit que il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Praise the Lord. Alléluia.
Il n'y a aucune autre personne à qui nous devons passer et trouver le salut. Ne serait-ce que le Seigneur Jésus-Christ soit la personne qu'on nous a donnée. Si nous revenons et que nous vivions selon sa parole, et que nous l'adorons selon sa parole, et que nous mettons en pratique sa parole, et si nous ne sommes pas des menteurs, nous ne sommes pas des commères. Et comme plusieurs le savons dans ce le commérage dans les le commérage, le fait de parler de les persécutions et de faire des programmations contre les gens, et tu seras si vous voulez le voir, ce sont dans les églises de Dieu que vous allez le voir et envier les personnes. Je vais ôter sa vie. Je vais le tuer. Je vais détruire sa vie. Je vais détruire le pasteur. Je vais détruire sa vie. Je vais détruire sa famille. Je vais détruire leurs enfants. Je vais détruire l'église. Je vais le détruire. Je vais le vendre aux sorciers. Je vais le vendre aux sirènes. Je vais le vendre aux enfants. Je vais détruire sa vie. C'est comme cela nous sommes devenus des commères. Nous sommes devenus des commères. Des persécuteurs. Nous disons que nous sommes dans la maison de Dieu. Nous devons nous repentir. Le mensonge. Le mensonge. Les idolâtries. Ce que tu n'as pas vu, tu dis que tu as vu. Ce que tu n'as pas entendu, tu dis que tu as entendu. Et la sorcellerie. La sorcellerie est devenue une petite chose dans les églises. Il y a certains qui l'ont transporté sur leur tête. Il y a d'autres. Quand ils nous écoutent à la radio, ils viennent pour nous voir. Ils ont des problèmes. Ils passent par certaines choses. Et ils veulent partager cela avec nous. Et que nous aussi nous les prions. Et que nous aussi nous prions. Mais il y a certaines personnes. Ils sont des chefs dans leur, des chefs de société. Je vous dis la vérité, ils sont des chefs de sorciers dans leurs églises. Et quand ils écoutent ta parole, ils t'écoutent, ils viennent t'asseoir et pour venir te tenter. Mais ils ne savent pas que nous le savons. Toi qui mènes cette vie, cesse cette vie. Et la sorcellerie n'est pas bonne. Ça, le Seigneur ne peut pas t'amener au ciel. La sorcellerie ne peut pas t'amener sur le chemin étroit. Il ne peut pas t'amener sur la porte. Ouvre tes oreilles dans la mort de Dieu. Alléluia. Écoute la parole de Dieu. Et repens-toi. Ceux qui sont des sorciers. Il y a des sorcières. Des sorciers. Et quand vous êtes dans les églises, ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux dans les églises. Ils sont tellement nombreux. Ils sont dans toutes les départements. Ils oppressent l'église spirituellement. Ils détruisent la vie des gens. Ils détruisent la vie des enfants. Ils détruisent la vie des pasteurs. Cessez de mener ce Jésus-Christ. Et Jésus-Christ arrive. Il est proche. Il est proche. Il peut arriver à tout moment. S'il venait, est-ce que tu pourras partir? Tu es voleur, tu es adultère, le fornicateur, toi qui connais l'impureté, alléluia, toi qui avote, est-ce que tu pourras partir, est-ce que tu pourras aller, toi qui avote, est-ce que tu pourras partir, toi adultère, est-ce que tu pourras partir, toi fornicateur, est-ce que tu pourras partir, toi qui mène l'impureté, un homme qui va vers une femme qui va vers une femme. L'homosexualité. Est-ce que tu pourras partir? Ceux qui détruisent la vie des enfants. Violer l'enfant. Alléluia. Nous sommes au moment des vacances. Et les enfants ont des rachis dessus la tête. Les enfants vendent du maïs. Et ils sont en train de se promener. Voici le vendeur de la vendeuse. Toi,
un vieux de cadeau. Toi, un jeune homme. Ma ne savoir s'assumer la promesse. Tu demandes à cet enfant de venir te prendre la machine. Et comme l'enfant ne sait rien, papa est rentré dans la maison. Et tu vas violer cet enfant. Ou bien tu vas tuer cet enfant. Nous sommes encore dans ce moment. Donc les enfants. Que les parents parlent aux enfants. Si quelqu'un te dit, viens me vendre à la maison, refuse. Quelqu'un dit, viens me vendre les choses, refuse. Quelqu'un dit, viens dans la maison, dit, refuse. Si vous arrivez dans un corner, il y a dans cet quartier, il y a des ruelles, il y a personne sur ce trottoir, et que tu vends des arachides, quelqu'un te dit, quitte cette personne. Bien aimé, nous sommes en moment. Et la conscience des gens ne veut pas. Les gens ont la Bible dans la main, mais ils font de mauvaises choses. Alléluia. 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 Il y a quelqu'un à la maison qui dit le pasteur qu'on lui dit où est-ce que cela le concerne? Ça là me concerne. Nous devons nous repentir. La Bible a dit de rester sur le chemin au ciel et d'entrer par la porte étroite avant de pouvoir arriver dans le pays de la vie éternelle. Alléluia. La Bible a dit qu'aujourd'hui, si tu écoutes la voix du Seigneur, alors n'endurcis pas ton cœur. Si tu écoutes la voix du Seigneur Jésus, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. Lève-toi et retourne-toi. Repends-toi. Il y a certains aussi. Nous allons tout dire. Eux, ils sont là. Si vous les voyez, eux, ils sont, ils sont là seulement. Eux aussi vont à l'église. Et ces histoires ne les regardent pas. Vous allez les voir aller à l'église. Vous allez les voir au cours de et ceux-là, ces histoires ne les concernent pas. Ces histoires, eux, ils s'en foutent pas mal. Parce que parle de vraies choses. Dis-nous de vraies choses. Ça, là, c'est pas vrai. Donc, répondons. Il y a certaines personnes aussi. Critique eux, ils ne font que il ne critique pas pour que quelque chose change. Parce que la tête de personne, il y a certaines personnes comme cela. Ils se trouvent dans nos églises comme cela. La tête des gens ne répète pas. Il y a personne ne va faire quelque chose jusqu'à ce qu'il ne le félicite. Ça, c'est le logo. Ça, c'est le 228. Tu ne feras rien. Quand je parle d'une autre personne, tu vas rien faire en fait que ceux qui sont qui travaillent qui font le même travail que toi qui disent que tu te félicites, ça aussi c'est un péché. C'est ce qui apporte l'ingratitude. Les gens sont dans ce pays sont des ingrats. Alléluia. Il y a beaucoup d'ingratitude. C'est vous cela, vous allez remarquer que les gens maintenant ont du sang. La personne a des choses mais il ne veut plus le faire. Parce qu'il a fait et on ne l'a pas remercié. Nous-mêmes, nous aussi, la Bible a dit de continuer par faire du bien. Que celui qui fait du bien continue de pas le faire. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix du Seigneur, n'endurcissons pas nos cœurs. Sur quel chemin nous tournons? Alléluia. Sur quel chemin sommes-nous? Il y a de cela 20 ans. Il y a de cela 30 ans. Il y a de cela 40 ans. Il peut pleuvoir à n'importe quoi. Vous allez voir les gens dans la pluie. Ils sont en train de prier. Ils sont dans la pluie, Alléluia. Il y a une chanson. Il y a des chansons comme cela. Alléluia. Mais aujourd'hui, s'il pleut, que le soleil brille fort. L'adoration de Dieu n'est pas quelque chose de. On ne force pas l'adoration de Dieu. Oui, c'est pas la force. Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, que le soleil brille.
que la pluie tombe, a le que le vent souffle, même s'il y a des tourbillons, tu vas continuer pas à l'adorer, tu vas continuer pas à te prosterner devant lui, tu vas continuer pas à faire sa volonté, tu passes pas des persécutions, tu passes pas des épreuves. Jésus, il y a de cela 30 ans, il y a de cela 40 ans. On peut dire que l'église se trouve à 5 km. Le camp de prière se trouve à 7 km. Vous allez voir une personne prendre sa Bible. Il n'a pas de l'argent pour prendre un taxi. Il n'a pas de l'argent pour prendre un taxi. Mais même en ce moment de taxi, les taxis ne vont nulle part. Et même il n'y a pas de taxi moto. Et mais tu vas passer, prendre ton taxi. Tu vas marcher, marcher. Marcher jusqu'à arriver là-bas. Et tu vas revenir à pied. Mais de nos jours, il y a des aides, il y a des tasses. Mais les gens présentent un repentant. Sur quel chemin sommes-nous? Si tu aimes quelqu'un, on démontre que l'amour à cette personne. Si c'est vrai que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, nous devons démontrer notre amour à Jésus-Christ. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Yele mondezo. Mama, yele mondezo. Mama, mama, mama. Mama, mama. Yele mondezo. Jipo mwalae. Mama, mama. Baba miele modeso, baba miele modeso, oh miele modeso, jibo alahe, baba miele masiame, oh na morao, baba miele modeso, jibo morae, baba nade, miele masiame, baba samalo. Nous sommes sur un chemin. Et c'est pas tout le monde qui connaît ce chemin. On appelle ce chemin le chemin qui mène vers le ciel. Tu dois avoir Jésus-Christ. Tu dois le recevoir dans ta vie. Tu dois être ton Seigneur sauveur. Tu dois être ton Seigneur sauveur. Jésus-Christ est-il ton Seigneur? Est-il ton sauveur? Ou bien tu vas se marier? Ou bien toi tu es un connard? Et tu te promènes? Et parler de gens, c'est ce que toi tu connais. Tu te plais tellement, tu vas ici, tu vas par là, tu détruis cette personne par là, tu détruis cette personne par là, c'est ce que toi tu fais. Toi aussi tu te dis encore, non, on ne devient pas enfant de Dieu ici. Répentons-nous. Alléluia. Répentons-nous de nos mauvaises et que nous sachions que que le chemin étroit et la porte étroite et la porte étroite, c'est ce qui mène au ciel. Cette porte là qui mène au ciel, c'est pas parce que je suis dans cette église ou bien je suis dans l'autre église, c'est ce qui va t'amener au ciel. Alléluia. 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 Par exemple, et ce que nous écoutons de il y a de cela une semaine ou deux semaines, et on dit que la nuisance sonore dans les églises, on ne va plus intégrer de nouvelles églises. Celui qui est un vrai pasteur, je vais vous dire certaines choses. Cela va se passer, vous allez voir. Le problème des églises au Togo, plusieurs proviennent des églises même. Ça provient des grandes églises. Voici leur propos. On ne peut pas interdire l'installation de nouvelles églises.
Au moins ceux qui ont le récépissé. Amen, kodo récépissé. Ceux qui ont des agréments. Amen, kodo agrément. Parce que beaucoup quand le Togo y a des wantek, ben ils vont pas avoir agrément. Est-ce que les églises qui se trouvent plusieurs églises qui sont Togo, ont refusé d'avoir des agréments? Tu vas t'attendre pour les églises ordonnées, les églises ordonnées, églises de Kaweni, ministères ordonnés, ministères ordonnés le Dieu. Et les vrais ministères ne sont pas ordonnés. Qu'est-ce que ça propose sur les églises? Quand même millions, mais les dix millions tout de millions. Ça prouve que vous voulez qu'on ferme certaines églises et que vos églises restent ouvertes. Ah, mais là, le Togo est dans la main, Jésus a résisté, mais l'ordonné. Et quelqu'un est au Togo pour me dire que l'église Jésus resté n'est pas ordonnée. Ah, tu vois, les ministères, mais l'ordonné. Il y a d'autres églises qui sont des ministères qui ne sont pas ordonnées. Non, ce sont vos églises qui sont ordonnées. Ah, c'est beaucoup que nous devons retard. Avec les sorcelleries que vous transportez sur vos mains. Et les sept pernicieuses que vous transportez. Les sept pernicieuses que vous transportez sur vos mains. S'il y a une église. Vous voyez des riches qui remplissent l'église de Soria maintenant. Trop de riches, ils sont remplis. Par exemple, l'église est 2000 membres. Et les riches sont à 1000 membres. Et vous allez écouter les prédications. Écoutez ce que vous dites. C'est pas ordonné que vous dites. Quels sont ces propos? Il y a des femmes, cause de l'église, amis, des femmes, cause de l'église. Si vous voulez défendre la cause de l'église, défendez la cause de l'église. Nous savions ce qui se sont passés dans le temps de corona, nous avions tout écouté. Nous savions ce qui se sont passés dans les coulisses. Répentons-nous. Alléluia. Alléluia. Mais recevez ta flatte, ministère au pâté, on a des ordres. Vous pensez que ce sont les toutes les ministères qui font des désordres? Il y a des grandes églises qui font des désordres. Il y a plus que beaucoup de désordres là-bas, plus que les ministères. Vous voulez qu'on dise c'est que nous écoutons tout, mais nous n'allons pas répondons-nous, et que nous fassions les choses sur les normes, et que nous sachions qu'il y a un jour, de jugement. Alléluia. N'allons pas rester aux côtés des ennemis de Dieu, et persécuter l'église de Dieu, que si on ferme cette église, alors les autres viendront sur dans notre église. Que c'est ce propos? Alléluia. 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 Et quelle est l'église qui reçoit l'agrément avant de commencer l'œuvre? Vous voulez qu'on vous parle? Si on veut instaurer une église. Non, le ministère de l'administration. Si tu vas au ministère de... À la direction de Tita. Ou bien tu vas à la direction de Tita. On va vous demander dans quel quartier où se trouve votre siège. Le fondateur, où se trouve le fondateur? AG Camilo. De c'est quel AG vous avez fait? Il y a un procès verbal. Oui, votre procès verbal. Ça veut dire que vous allez vous regrouper. Avant qu'il n'aille chier. Et on va maintenant passer des enquêtes avant de leur donner maintenant. Oui, c'est bon. Même là où il n'y a plus de le faire. Si tu veux même aller faire le dépôt, on refuse. Alléluia. Donc ça ne provient pas des églises. Si le gouvernement veut restaurer cela, ce sont les grandes églises et les associations qui vont. Que nous allons commencer par donner des récipients. Si nous leur donnons cela, alors il y aura de l'homme. Et que nous voyons que leur patrie, alors nous n'allons pas leur donner des récipients et nous allons arrêter. C'est quel pays? C'est dans quel pays sommes-nous? Nous allons dire que nous sommes dans le même travail. Mais il y a certains qui se lèvent comme si c'était eux qui sont partis. Comme si c'était ceux que tu as appelé. Comme si c'était eux qui écoutent. Ce sont eux qui ont la parole de Dieu. Ou bien ce sont tous ceux qui sont enseignés. Comme si ce sont tous ceux qui détiennent l'onction. Et répandons-nous. Alléluia. Alléluia. Si Jésus-Christ me permet, le dimanche je reviendrai. Je reviendrai sur sa parole. Répandons-nous, permettons-nous. Afin que Jésus-Christ me fasse grâce. La venue du Seigneur Jésus-Christ est proche. N'allons pas nous laisser cette vie, mot de vie. N'allons pas cesser cette mauvaise vie.
At the fond, fond, c'est mauvais mot de vie. C'est mauvais mot de vie. C'est mauvais mot de vie. Tu vas dire à la personne, tu dis que je l'ai détruit sa vie. On l'a détruit. Nous avons arrêté l'œuvre. Que Jésus-Christ nous fasse grâce. Que Jésus-Christ nous aide. Quand je prie, je te confie toutes les églises. Je demande à ce que le sang nous donne la victoire. Je demande à ce que le sang nous protège. Glorifie ton nom dans tes églises. Donne la victoire à tes enfants. Quelqu'un qui s'est retrouvé dans la parole. Aide cette personne. Et pardonne-le. Et ce numérin. Ce numérin. Ramène cette personne de la vérité. Ramène-nous sur le chemin resserré. Fais-nous entrer par la porte étroite. Afin qu'au moment advenu, que nous réussions, nous puissions comparer au royaume des cieux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu fortifies tes enfants que ce matin tu puisses se lever et aller dans le lieu d'adoration au nom du Seigneur Jésus-Christ que tout à fait sorte de leur corps fortifie si quelqu'un tombe nous relevons cette personne nous fortifions la foi de cette personne quelqu'un s'est affaibli nous fortifions cette personne au nom du Seigneur Jésus-Christ quelqu'un est malade nous permettons le bénissant donne-leur la victoire. Fais leur grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vous bénisse. Qui vous fortifie. Que Jésus-Christ vous bénisse. Que le sang vous donne la victoire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Roland Nkosi Sébastien vous dit que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.